Salut Saiyan, ouais, voici Captain Fleur de l'Est. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. La troisième vidéo, je pense. Une quatrième. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Quatre temples. C'est tout. C'est à peu près ce qu'on est, que j'ai fait, puis ça rentre ici. Et ça se casse, c'est incroyable. Mon dieu, ça se casse! Wouah, c'est incroyable comment ça saccade. La première fois que ça saccade autant. Mon dieu. C'est quoi les performances? Mais ça saccade comme ça se peut pas. C'est dans la dernière vidéo, ça saccade un peu, mais c'est le moment que ça saccade, bien sûr. On va continuer l'histoire. Alors, on va aller dans le village Sheikha. Un facile à attraper. J'avoue, là, ça m'énerve. Il est pas mal en plus. Bon, j'ai enlevé le plein écran, je vais m'arranger que ça se voit pas. C'est lui qu'il faut aller voir. Parce que là c'est fluide là. Je vais m'arranger que vous ne voyez pas la différence. Que vous voyez pas les bordures, mais là ça n'a pas de bon sens. Ça s'inquiète beaucoup trop. Tu peux me voir? Youpi, c'est fantastique! C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. La dernière fois, ce gars, c'est lui aussi. Je m'appelle Noya. Je sais pas si la prononciation, c'est pour ça que j'ai hésité. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui se vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Ces vilains monstres se cachent juste derrière ce rocher. Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une demande à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas alors s'il te plaît? Non, ça ne tombe pas, du moins je sais pas. Mon processeur est à 63%, puis ma mémoire est à... Ma RAM est à 72%. Oh, il est tombé. Bye bye. Voilà. C'est fou comment qu'il travaille. Non, je ne dois pas avoir ça. Puis je vous dirais que c'est pas mal le jeu qui prend pas mal d'espace, qui prend pas mal de performance. Si avoir un ordinateur puissant, ça aiderait. Mais je fais avec. On est capable d'enregistrer toutes les quêtes au moins. Que vois-je là? Oh, je vois! Mais regarde,
Relève-moi, relève-moi. Un peu de lui. Bon, les armes. Avec sa I call these out. Ça va faire du bien un peu, j'ai plus d'espace. Qui est là-bas? Entraînement. Oh non. J'ai compris tard. Ça c'est bon. Le carte graphique, ce qui fait ça. Il est quand même 1070. Ça c'est probablement le jeu qui fait ça. Ça c'est sûr que c'est le jeu qui fait ça. Y'a aucune autre explication. La dernière fois je suis parti de là, puis j'étais là, puis j'ai fait le contraire de scénario. Un garçon! Mais ce que vous portez là... serait-ce la tablette Shaker? Elle veut pas regarder les garçons, je comprends pas.
Ça ferait que vous soyez celui dont a parlé ma grand-mère. Monsieur Lily, où je. Il faut imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. J'ai réussi à Lucie. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Ah, entrez, je vous en prie, grand-mère vous attend depuis si longtemps. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais encore jamais vu au regard. Mais en fait, c'est moi. Et pas, tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. C'est peut-être une chance pour toi en ce moment, Link. Approche-toi, s'il te plaît. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ça se calme plus de 100 ans, elle. Encore en vie. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Pendant toutes ces années, j'ai entendu les viennes le moment de te délivrer son message. Mais ne attends pas les choses. La princesse Zelda a brevé la mort pour que tu te parviennes ses paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une décision alors que tu as perdu ton souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre ce message de la princesse. Bah, je suis prêt. La princesse a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmets uniquement quand tu seras prêt à m'en... Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux aujourd'hui et pris de justesse avec le même sens de te voir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler.
le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur tâche. Les créatures divines, quatre formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les quatre pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les quatre créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avons grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les quatre créatures divines. Malheureusement, j'ai l'impression que Tatabe Sheikah est incomplet. C'était juste que la princesse d'Otessie doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village d'Elimi. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent, laisse parler et mets-toi en route. Ah! J'ai même pas eu à les affronter, c'est pas formidable. Un corgu. Un enfant pour tout récupérer. C'est malin, hein? Il faut aller là-bas. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Déjà. Je sais pas pourquoi que ça prenait autant. Probablement il y avait une mise à jour. Mais non. C'est le jeu. Il prenait 8 gigs de RAM. Sur, si je me trompe pas, 12 sur 16, je prenais la moitié à peu près. Puis là, on prend un peu moins de 4 gigs de RAM. Ouais, c'est à peu près ça. Je ne comprends point pourquoi que ça fait ça. Je m'en vais à la tour. Avant.
Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure, même si c'est pas été long, même si désolé pour que ça ait, que ça soit saccadé tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Faut que je fasse avec. Ah pour ça. Et c'est pas à vous abonner peut-être je me suis sur Facebook tout ou encore aller visiter mon site internet dominé sur la bannière d'un jeu YouTube peut-être aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça vous bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça je vous dis merci à tous.